Et Luca, pour toi, il n'y a pas de menace, hein, à part pour l'entrepôt en lui-même, voilà. Basé sur ma connaissance, je me penche, je fais « Viens, petit Allez, viens !» Qu'est-ce que vous faites, Léo, quand vous voyez que Luca prend aucune précaution face à... J'essaie de faire des gestes... En fait, j'essaie de sauver Luca, déjà. Depuis l'arbre, je fais des gestes à Luca. « Non, 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 stop Est-ce que ça peut marcher? Parce que je le vois. En fait, je ne sais pas si tu pourrais le voir. Tu pourrais plus le voir de l'intérieur si tu rentres vraiment. Et moi, je peux essayer d'appeler. Oui, tu peux lui dire quelque chose. Je peux le retenir ou pas? Parce que je suis assez proche, je peux le retenir. Bah, du coup, c'est ce que je vais faire. Vas-y, je vais lui dire, mais arrête. Tu sens de l'inquiétude dans sa voix, tu vois. Tu as l'impression qu'il se passe un truc. Oui. Et tu vois aussi Daimir qui fait comme ça. Non, non, non. Je suis fatiguée, tu n'as pas dormi de la nuit. Non, non. Tout va bien. Stop. Là, c'est sérieux, Luca. Bon, du coup, j'arrête peut-être et je regarde sans comprendre pourquoi on me dit stop. Ok, tu te mets un petit peu sur tes gardes. Du coup, ce que je sais. Ok. Du coup, le nom du dragon, c'était Briguet. C'est un Briguet, ouais. Page 84, Briguet. Pour ceux qui veulent aller voir. Ok. En fait, je t'explique ce que je sais. Donc, que c'est un dragon qui perd ses ailes, une partie de l'année, en fait, en fonction du temps. C'est ça, hein, En fonction des saisons, exactement, ouais. En fonction des saisons. Mmh. Et que, même si c'est pas forcément un animal qui est connu pour être agressif, il est en train de manger. Et a priori, il aime plutôt bien ce qu'il est en train de manger. Mais il est trop mignon. Donc, il va pas lâcher, en fait. Là, vous l'entendez qui prend les escaliers pour et Daimir, tu le vois bien, il se dirige du côté de la cape. Vu qu'il a pas ses ailes, en fait, il a assez fin, il peut se mouvoir le long des escaliers qui tournent. Est-ce que je peux peut-être essayer de le calmer ou de le guider Alors, t'as plusieurs options. Tu peux complètement essayer de le calmer pour essayer de le faire sortir. Tu peux essayer de l'attirer avec de la nourriture. Parce que toi, au niveau de l'étage, il y a le séchoir. C'est là où il y a plus de viande aussi. En bas, ce sera plus vos fromages. Hein, désolé, il va peut-être taper dans vos fromages. Il faut l'arrêter. Ouais, je vais plutôt essayer de l'attirer avec la nourriture. Et tu vois, je vais faire des gestes d'apaisement. Enfin, ouais. Ok. Alors, soit tu peux y aller avec de la persuasion, c'est-à-dire que tu vas le persuader de prendre ce que tu as et arriver à un certain niveau. Je considère que tu le lances au loin un peu comme un chien, tu peux tenter un truc comme ça pour éviter qu'il engouffre ta main en même temps qu'il prendrait par exemple la viande séchée. Ou alors tu peux y aller avec tromperie si tu veux aussi, ça fonctionnerait. Je te laisse regarder sur ta fiche et nous dire quelle façon tu aurais. Sachant que la tromperie, ce sera. Plus dans le sens de pas lui donner à la fin, tu vois, il y a un côté où c'est un peu fourbe, alors que persuasion, c'est vraiment viens, je vais te donner à manger et j'ai plus l'impression que ton personnage est comme ça. Tu vas plutôt être. Tu sacrifies un jambonneau. Honnête, tu vois. Voilà, honnête. Ouais, et du coup, je vais faire plutôt persuasion, même si j'ai moins un, je préfère jouer mon personnage. Ça marche. Vous pouvez l'aider, hein, si vous voulez. Tu peux dire aux autres ce que tu fais pour que vous puissiez faire ensemble la technique du jambonneau. J'ai fait 3. Je crains pour ma main. Parce qu'il va manger le jambonneau. Je pourrais être le jambonneau, du coup. Donc tu prends ton jambonneau pour le distraire. Ça marche un instant. Et en fait, tu as le temps vraiment de retirer ta main au dernier moment. Mais il a engouffré le jambonneau. Tu n'as pas eu le temps de l'attirer en dehors de la cave, en fait. Et il se retapisse un petit peu dans la cave. Donc là, il n'y a vraiment plus de sortie. Il est grand. Il est long, oui. Il est assez long. Ouais. Alors, il est imposant. Il est un petit peu plus grand, je crois, qu'un homme. Enfin, d'une personne adulte, quoi. Je vais regarder. J'avais dit page 84, c'est ça ? Oui, c'est ce que tu avais dit. Est-ce que ce dragon, je sais s'il comprend la langue humaine ou, parce que j'ai un pouvoir qui me permet de lancer un message télépathique à une créature. Tu sais que malheureusement, il va pas comprendre. Il faut qu'il parle la même langue que toi. Et... Par contre, tes compagnons, ouais, tu pourrais leur donner un message si t'es loin, ça c'est bon. Mais là, il va pas comprendre. Donc et là, vous l'entendez, hein, peut-être il est en train d'attaquer les fromages de chèvre. Vous savez pas trop ce qu'il fait. Faut qu'on agisse vite. Le fromage de brebis. Non. Faut qu'on agisse très vite. Nos deux dragons,
Ils restent derrière nous. Ils sont avec vous et ils savent pas trop quoi faire. Zoé est en train de se dire que peut-être personne ne le regarde et que ça a l'air pas mal bon, la petite viande séchée. Ok, on va réserver. Du coup, quand tu te retournes, il lâche ce qu'il était en train de manger comme si de rien n'était, tu vois. Est-ce qu'on voit quelque chose autour qui permettrait de l'attraper sans prendre de risque? L'attraper, il a l'air grand, mais toi, t'es encore au niveau jet de perception. Mais oui, mais bien sûr, moi, je suis à fond. Tu veux pas l'attraper. Vous n'avez pas des pouvoirs, tous les deux, peut-être des pouvoirs, alors, tous les deux, on peut peut-être manger le fromage de chèvre avant qu'il soit mangé. Daimir, t'as un filet qui pourrait... Ah oui, c'est vrai. Daimir a un filet. Mais c'est vrai que je peux faire diversion, peut-être. Tu peux faire diversion, tu peux faire une odeur appétissante, tu peux faire des choses comme ça, comme le jambonneau, tu vois, mais avec une fausse odeur. Et Luca, t'as aussi ton bouclier pour protéger les autres. Vous pouvez vous mettre derrière ton bouclier aussi. Alors, a priori, je suis thaumaturge. Je peux créer une odeur, une fausse odeur, qui serait peut-être à l'extérieur, pour essayer de le faire sortir. Une petite odeur de tomate à l'extérieur, c'est parfait. Non, mais il a l'air d'aimer le fromage. Donc, tu vois, un bon fromage bleu, tu vois, une petite odeur bien forte. Ça peut peut-être l'intéresser, ce dragon. Sachant que tu avais fait un bon jet pour savoir quel genre de dragon c'est. Oui. Alors, tu peux complètement choisir un fromage qui a vraiment une odeur assez forte pour l'attirer. Ah, mais carrément, ouais. Juste une question, du coup. Oui. Sur mes sorts, il y a écrit composante V et G. Celle-ci, c'est V, donc... C'est verbal, ça veut dire que tu vas prononcer, c'est-à-dire que ton personnage, il faut qu'il soit en capacité de parler pour lancer le sort. C'est une sorte d'incantation. Voilà, c'est ça. D'accord, ok, le prononcer les mots. C'est ça. Prononcer Roquefort et ça sentir le fromage loin. J'invoque l'odeur, c'est ça, t'appelles l'odeur de Roquefort. Ok. Donc là, Roquefort, vous êtes tous comme ça. Vous êtes maintenant tous. C'est ça. Donc vous êtes là, oui, ça marche. Je suis pas sûre que t'as un jet de dé à faire, je sais pas sur ton pouvoir. Je ne sais pas. C'est, je crois pas. Une action. Ok, ça te prend une action. C'est ça. Et l'odeur de Roquefort apparaît, vous avez tous témoin. Zoé, il a l'air de la chercher pour de vrai, ce Roquefort. il est en train de tourner. C'est Lindael, mon dragon, il doit être au courant, lui. Est-ce qu'il se fait avoir aussi? Alors, il est pas fan. Lui, il aime. Eh ben, écoute, il est pas fan des fromages. Donc, en fait, il est en train de se blottir contre toi pour pas avoir l'odeur en plein museau. Il vomit. Donc, Luca, quelle position tu as? Est-ce que tu veux garder ton bouclier, vous protéger, sachant que l'odeur, tu peux la faire comme un petit filet qui va vers l'extérieur. Tu peux diriger un petit peu cette odeur. C'est une question pour moi, du coup. Oui, tu serais moi, tu t'appelles Luca maintenant. Non, mais c'est vrai, j'ai dit deux infos en même temps. Pardon. Du coup, par rapport à l'escalier, je me mets dans un coin et j'attends que le dragon sorte pour refermer la porte derrière lui. En fait, donc vous êtes plutôt à l'intérieur, caché derrière toi et amener l'odeur vers l'extérieur, comme ça lui il peut. Le problème, c'est qu'en fait, on est en train d'attirer un dragon à l'extérieur avec une fausse odeur. Le dragon risque d'être hyper frustré quand même, non? Une fois qu'il va être à l'extérieur. Surtout qu'il est passé par le toit, donc il faudrait peut-être reboucher le toit. Daimir, tu peux peut-être profiter pour mettre ton filet. Mais non, parce que là, je pense que c'est trop tôt pour le fromage qui pue. En fait. Donc, vous vous positionnez, vous sacrifiez encore des fromages dans ce plan. Luca, tu te positionnes, Iko, vous êtes prêt, et vous attendez peut-être le signal de Daimir. Tu positionnes le filet pour pas qu'il revienne par le toit. Ouais. Okay. Tu veux que je fasse un jet de dé ou non, pour moi ça va être bon parce que tu prends le temps qu'il faut pour bien mettre le filet. Et est-ce que tu restes à l'extérieur pour dire aux autres ce qui se passe ou est-ce que tu mets le filet et tu reviens à l'intérieur? Non, je reste à l'extérieur au cas où. Ouais. Ok, ça marche. Zoé est avec toi et Sunday est à l'intérieur avec toi, Iko. Donc vous êtes caché un petit peu derrière Luca qui est caché derrière son bouclier. Ça fait un petit peu une file. Et tout le monde est prêt pour l'odeur du Roquefort. Il n'y a aucune perception en plus. Oui, non, mais c'est parfait. Puis je suis discrète, je suis caché dans un coin de la pièce, on ne voit pas. Toi. Ok. Entre deux genres de sirènes qui ont survécu. Eh bien, je t'en prie, Iko, tu fais ton odeur de Roquefort, on reste là-dessus? Oui, on va essayer. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure des idées, mais peut-être que ça nous donnera faim. Vas-y. Il est en bas. Il a peut-être goûté. Voilà, c'est ça. Il a peut-être goûté au plaisir du Roquefort. Peut-être que c'est l'habitué. Hein. Peut-être qu'il reviendra spécifiquement pour ce Roquefort. On ne sait pas. En tout cas, du coup, je changerai pas d'idée et je ferai pas une odeur hyper nauséabonde à l'intérieur. Comme ça, il sort. Il a plus de pourrir la nourriture qui est en dessous. Oui, mais c'est une fausse odeur. Ça va pas pourrir la nourriture.
pied au final, non ? Je vais pas imprégner les jambons. Mais comme tu le sens, tu peux faire. Justement, c'est bien de le dire comme je le sens. Mais le truc, c'est que si tu fais l'odeur dans la cave, en fait, il risque de juste rester à l'intérieur du bâtiment. Tu vas sortir de la cave, mais il va se. Ouais. Non, mais on va essayer de l'attirer à l'extérieur alors. Ok. Ouais. Tu fais partir cette odeur de Roquefort, tout le monde est là. C'est un petit peu. Voilà, c'est too much, c'est beaucoup. Et ça marche. C'est un briguet. Brigueur, il monte, vous le voyez vraiment passer près de vous, derrière le bouclier, vous êtes bien caché. Et en fait, il court comme s'il allait avec la bouche ouverte, en fait, et il mord un peu l'air, en fait, comme s'il pensait pouvoir mordre ce Roquefort. Et, vous voyez, d'ailleurs, il a des petites miettes hein, de ce qu'il a mangé un peu partout. Et il arrive. Il fait une fondue, en fait. C'est ça, il arrive. Et il sort à l'extérieur. Lucas, c'est le moment où tu peux fermer les portes. Bah là, je me précipite pour fermer la porte, en fait. Ok, tu fermes. Il se retourne un peu déçu. Il trouve pas vous l'entendez. Toi, tu le vois aussi, Daimir, il tourne en rond. Et tu vois qu'il court vers la porte. Il court vers la porte. Tu leur dis, Daimir, ouais. Mais vous le voyez pas, parce que vous avez fermé les portes. Daimir, est-ce que tu les préviens ? Oui, j'utilise mon message télépathique pour leur dire discrètement. Ah, il s'en va vers la porte. Il faut qu'on reste là, nous. Et du coup, moi, je vais tenir la porte, en fait, pour pas qu'il puisse l'ouvrir. Lucas, je mets derrière et je pousse comme ça. Lucas, une main sur chaque porte. Quoi ? Tu n'as que 13 ans. Bon, je suis 1m80, ça va aller. Lucas, elle est vraiment costaud, donc s'il y a quelqu'un qui peut... Ok, je compte sur toi. Hein. Tu te mets en position de... de trouver un truc pour bloquer la porte aussi en même temps, tu vois, parce que... Si je regarde autour, il a cassé pas mal de choses, donc t'as des planches, t'as pas mal d'objets que tu peux utiliser. La planche la plus grosse qui soit pour essayer de la caler peut-être et bloquer la porte. Ça marche. Donc ce que je vais demander, c'est que Lucas, c'est toi qui vas faire un jet de sauvegarde. Je crois que c'est la force, on va trouver, hein, c'est ça, pour tout ce qui est tenir, tout ça, tout ce qui est qui demande un petit peu de. Oui. Ouais, oui. Donc je vais te demander un jet de sauvegarde de force et tu as l'avantage parce qu'il y a la planche. Donc tu jettes 2 dés et tu prends le meilleur. C'est ça. Et je vais regarder ton bonus de force. Tu fais 13 avec lui. J'ai fait 13, ouais. 13 et en force, je vais regarder combien tu as plus 3. 16. Donc tu fais 16, tu tiens le choc, il va taper 2-3 fois avant de comprendre que le garde-manger c'est fini, le buffet est fermé. Et Daimir, tu le vois et tu peux le signaler aux autres et il s'en va en direction de la forêt. À part les fromages, vous avez quand même protégé les denrées, mais voilà. La fondue cet hiver sera un petit peu compromise. C'est pas grave. On a quand même sauvé le principal, je pense. On n'a pas sauvé le fromage ? Non, on n'a pas sauvé le fromage. Est-ce que cet hiver vaut le coup ? Vous vous retrouvez, personne n'est blessé, il y a plus de dégâts qu'autre chose. Le filet est en place et on permettra d'éviter d'autres dragons ou autres voleurs de s'introduire dans l'entrepôt. C'est vrai, en vrai, quand même. Franchement, le fromage, je ne serais pas d'accord avec ton affirmation, mais je suis plutôt d'accord avec toi, par contre. Non, mais vraiment, on a assuré. Franchement, je suis fier de nous, là. Pareil. Quand tu dis que t'es fier à ton petit dragon Sundale, il vient puis il met sa patoune comme ça pour taper dans ta main. High five, dragon. Lui, il a absolument rien fait, mais il est tellement fier aussi de faire partie de ce groupe. Ouais, c'est ça. Ça fait plaisir à voir après la nuit qu'il a passée, parce qu'il doit être fatigué aussi. Zoé attend une récompense et il se met vers toi, Daimir, et il ouvre la bouche en fait, un petit peu en attendant que tu lui donnes quelque chose. Parce qu'il a vu, qu'il y avait plein de nourriture à l'intérieur. Tu peux pas le cacher. Bon, je prends, je prends un petit truc, tu vois, et je lui donne. Voilà, et je caresse un peu sa tête comme ça. Ah, il est content. Il est content et il a tendance à marcher très près de toi au niveau des pieds. Alors que Sundale, lui, il aime bien être un peu porté pour avoir une vue un peu plus de... Il est assez léger, hein, c'est pas un dragonnet très, très lourd. Donc tu peux le porter si tu veux, Ico, de temps en temps. Après, c'est chiant, hein, t'as quand même... voilà. Oui, non, mais j'imagine, je connais ça. Et non, il n'y a pas de problème, je le porte un petit peu dans les bras et tout. Ok, pour caresser, et puis ça fait du bien aussi. Profiter un peu du moment. Ça va. Bah, il est content. Et vous partez en direction maintenant du sanctuaire.
Et je vous propose de faire cette première pause. On a bien joué là, bravo. Est-ce que je peux juste vous demander quelques mots sur un petit débrief et puis après on fera la pause, ça vous va? Bien sûr. Est-ce que ça vous a plu déjà cette première partie? Ouais, c'était cool. C'était super cool. Ah ouais. Bah tant mieux. Je trouve que vous avez vite trouvé le truc avec vos persos. Toi, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Il y a beaucoup de cohésion qui s'est créée. J'ai trouvé que ça venait assez naturellement, en fait. Enfin, pour le moment, ça allait. Non, c'est... À part les deux fois, je crois que j'ai cru que c'était peut-être à moi, alors que c'était peut-être à Yoann. Mais c'est pas grave, ça. J'étais pas sûre. Moi, c'est juste mon dé. Je pense que mon dé est défectueux. Ou si tu peux changer de dé, tu as le rentre là, pendant la pause. c'est venu assez naturellement, donc c'était assez chouette. Après, je pense que... On n'a pas encore forcément l'expérience de tous les possibles, mais c'était assez chouette. Et toi, Cécile, t'as fait un scénario et du coup, on a dévié ou tu vois, est-ce que t'as improvisé des fois? Moi, j'ai trouvé que vous aviez beaucoup de propositions. J'avais pas forcément une façon claire de résoudre ce dragon. Je savais que s'il pouvait se cacher à la cave ou monter selon où vous étiez, selon ce que vous faisiez, j'avais un petit peu pensé à ça. Mais non, honnêtement, vous avez réglé le problème. Donc à partir de là, moi, il n'y avait pas de soucis de mon côté. Je vous ai trouvé extrêmement imaginatif et créatif. Donc ça a vraiment donné du peps à la scène. Donc c'était top. Et moi, j'essaierai d'être plus précise sur mes questions à qui je pose, parce que des fois, ça part un peu aussi dans tous les sens de mon côté. Donc je serai plus précise sur qui fait quoi. J'ai bien aimé les flashbacks, c'était cool. On m'attend. Ouais, c'était chouette. C'est bien parce qu'en plus tu sais ce qui va t'arriver et tu sais qu'à un moment donné tu vas faire ton dé de sauvegarde de maison. Ah oui, t'as improvisé la règle, c'est sympa aussi, c'est cool. Mais le jeu de rôle, c'est cool, on peut inventer des petites règles quand ça nous arrange au final. Clairement. Ah oui, j'ai trouvé que c'était bien, enfin vraiment c'était fluide et tout, c'était cool. Non, quoi. C'était cool vraiment. C'était... Ouais, et puis ça donnait envie d'en savoir plus. J'ai hâte de voir la suite du scénario, là, pour le coup. Ouais. C'est pas grave que j'ai interrompu pour parler des arènes. Non, en vrai, je m'y attendais. En fait, c'était un peu aussi pour montrer l'univers. Donc, quand tu m'as parlé d'un dragon avec des éclairs, j'étais un peu en mode... Est-ce que je peux en parler ou non ? Donc moi, je me suis basée pour le scénario, en fait, sur le livre Draconis, où il y a énormément de ressources sur l'univers, avec les illustrations qui sont juste magnifiques. Donc cherche un petit peu, justement, avec... trop, n'hésite pas à le montrer. Donc cherche un petit peu des illustrations en rapport avec mon idée de départ. Et du coup, page t'as dit qu'il y avait le... Larry, je crois qu'il est sur la fin, du côté de Lusa. 216, il y a l'illustration, donc... si tu m'autorises, Sean, je la mettrai dans le montage. Ah oui, bien sûr, voilà, bien sûr, grand. Tu peux. C'est pas Zarel. C'est pas Zarel, celui-ci. Attends, c'est lequel, alors? Il a pas de manchot, on l'a pas nommé, de mémoire. Je sais plus, mais c'est... Ouais, alors, je sais pas celui-là, ils en parlent à cette page-là, un petit peu, je crois. Qu'il y a ils en parlent un petit peu, mais il n'y a pas le... C'est peut-être juste mais avant, c'est alors. C'est pas Zarel, du coup, mais ça doit être un... C'est un gardien. C'est quoi un gardien? Alors écoute, il est trop tôt pour en parler.